Merci du coup de main. Au travail, BD. BD, tu penses pouvoir charger ça ?
pile ce qu'il nous fallait. On tombe ! Accrochez-vous ! Pendant une bataille, le vaisseau s'est crashé. Mais il y avait des survivants. Hé, BD ! C'était génial, BD. Ça va, commandant. Mais où est Marcef? Où est mon padawan? Mes hommes sont en train de fouiller les femmes. On le trouvera. Je reçois une transmission. C'est sûrement l'escouade. Non, une minute. C'est le chancelier suprême. Thank you.
Ce truc aurait besoin d'une surcharge. Nos troupes ont infligé d'importants dégâts aux cuirassés séparatistes. Malheureusement, notre vaisseau n'a pas été épargné. Malgré les dégâts, je suggère que nous poursuivions. Ensemble. Vous savez que je ne suis pas du genre à me défiler. Team Plot! Tu te sens bien? Lors d'une terrible catastrophe, il y a bien du temps. Steam BD. Bien envoyé, BD. Thank you.
crois qu'on se rapproche. J'ai remarqué ça tout à l'heure, une sensation bizarre dans mon ventre. Au début, j'ai cru que c'était la cuisine de Grise. Maintenant, ça s'intensifie. Je crois que plus on approche et plus je me sens mal. Ça ne me dit rien qui vaille. Jedi est là. Être utile. Dégâts subis. Couvrez-moi. Allez, faut assister. Piètre résistance. Impact confirmé. Neutralisation du Jedi. Incapable. Il est inutile de résister. Une tyrolienne, ça te tente ? Ce moteur devrait faire l'affaire. Qu'est-ce que ça donne ? On doit pouvoir atteindre le tombeau. Par ici, BD. Pile ce qu'il nous fallait.
fonctionner. 5 sur 5. Ah, allez, faut insister. Faites attention. Je l'ai touché. Bougez. On peut encore l'attraper. J'ai en visuel. Je vais voir ce que je peux faire. Tous les tireurs sont à terre. Je vais faire cette tactique. Potentiel détecté. Un Steam BD. Ça tombe à pic. C'est quoi ça? Éloigne-toi! Ouvre le feu! Je suis prêt à me battre! C'est quoi se vider de son sang? Trop rapide pour toi? Je vais te vider de ton sang! Arrête d'esquiver et bats-toi! Mon corps! Tu te sens vivant, Jedi? La mort attend toi! Un ouvrier a laissé ses outils. Il avait espéré trouver les reliques, mais il se souciait peu de l'aspect historique.
Algestis. Comme c'est prévisible. Oh oui, je connais ton nom, ton passé, mais je connais surtout un certain Enno Cordova. Dis-moi, où a-t-il caché cet holocron ? Incroyable. Ton heure a bientôt fini. Tu es lent. Très bien. Tu n'esquiveras pas la suite. C'est trop facile. Vaincra pas. Ce n'était rien. Tu progresses. Pas aussi doué que l'ancien apprenti de Céré, mais pas mal cependant. Quoi ? T'as pris des notes ? Étonnant qu'elle ne t'ait rien dit. Céré n'a jamais su garder un secret. Et tu la connais si bien que ça, hein? Elle était faible. Elle a craqué sous la torture impériale et révélé la cachette de sa jeune padawan. Il ne m'aurait jamais trouvé. Si elle n'avait rien dit, elle m'a abandonné. Tu es Trilla. En chair et en os. Je ne te laisserai pas me manipuler. Tu es bien sûr de toi. Quand elle a été confrontée au choix de sauver sa vie ou sa padawan, elle a fait preuve d'égoïsme. Elle te trahira aussi un jour. Eh bien, je sais me débrouiller tout seul. Tu as vraiment envie de t'y risquer? Ton nouveau maître a une part d'ombre en elle. Tu aurais dû voir sa tête quand elle a découvert ce qu'ils avaient fait de moi. Elle a sombré et dévoilé à tous sa vraie nature. Elle a été puisée dans le côté obscur. Elle a coupé ses liens avec la Force. Oh ! Combien de temps lui faudra-t-il avant de te trahir ? Est-ce que tu veux vraiment être avec elle quand tu trouveras l'holocron ? Qu'en penserait Jaro Tapal ? Tu n'as pas le droit de prononcer son nom ! Je me demande. Que dirait-il s'il pouvait voir son padawan aujourd'hui, rôdant dans les ténèbres aux côtés de cette traîtresse, lui donnant accès à une légion entière de pauvres disciples dociles. Je ne laisserai personne les toucher. Je disais la même chose avant. Merci pour le coup de main, BD. Tu m'as sauvé la vie.
Et tu nous as rapprochés du tombeau. De l'autre tombeau. J'en sais rien, mais ça me plaît pas. Je l'ai trouvé, mais... serré. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que c'est une menteuse. Toi... comment? J'ai détourné vos communications dès l'instant où tu as essayé de la contacter. Le piratage de transmission codée a toujours été un de tes passe-temps préférés. Elle m'a montré comment faire. Il n'y a pas une seule technique de serré que je n'ai pas perfectionnée. Mon ami, il semble que ces appareils simulent la gravité de la planète. Je ne peux m'empêcher d'y voir un motif. Plus beaucoup de temps. De temps pourquoi? Mes éclaireurs ont découvert un artefact intéressant au fond de ce tombeau. Je l'étudie en ce moment même. Il m'apprend ses secrets. On dirait que Cordova les aimait bien, ces effaux. Peut-être au point de cacher l'holochrome parmi leurs dépouilles. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Regardez, là-haut! Thank you.
c'était notre dernier tireur. Reculez, je m'en occupe. Allez, à vous de l'éliminer. Je crois que je suis le dernier. Trouvé quelque chose ? Mon ami, j'ai fait une découverte troublante. Voyons ce que t'as trouvé. Je sens mieux. D'autres soldats pénètrent dans ce tombeau à chaque seconde qui passe.
Tu as peur de m'affronter toi-même ? Si ton droïde n'était pas intervenu, je t'aurais tué sans aucun effort. Laisse tomber, BD. N'écoute pas ce qu'elle dit. Steam BD. Il faisait partie des ouvriers qui ont construit ce tombeau. Il est mort avant la fin des travaux.
victime, BD. Merci, BD. Imagine les artefacts que l'Empire aurait manqué sans ton intervention sur cette misérable planète. Est-ce que ça en valait la peine? Il paraît que le projet Foreuse vous a coûté cher. Des Stormtroopers et des ouvriers. Rien d'irremplaçable. Tu es un monstre. Je suis ce que Céré a fait de moi. Me lancer un Steam? Ah, j'aime mieux ça. J'ai rapporté l'artefact à mon vaisseau pour l'analyser. Dommage que tu sois arrivé trop tard. Peu importe ce que tu as fait, tu ne le comprendras jamais. Mais toi, oui. Tu le sauras bien assez tôt. Je vais prendre le risque. Ils ne nous ont pas vus. Reste sur tes gardes.